Hey, bienvenue sur MTGQ. Matt avec vous. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter deux matchs de Saltless Commander qu'on a joué après le live de dimanche dernier. C'est pas parce qu'on joue Saltless qu'on n'a pas, qu'on peut pas avoir de plaisir, puis ça fait pas des matchs intéressants. Je suis content parce que dans un des deux matchs, mon Ice Age deck a quand même bien fonctionné. Si vous voulez participer ou si vous voulez voir peut-être un petit peu plus de matchs enregistrés de cette façon-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires ici-bas. Ceci, c'est rocotte, pas de montage, pas d'effets spéciaux, rien. Si jamais la demande est là pour un peu plus de matchs, je pourrais à ce moment-là peaufiner peut-être la présentation. J'espère que vous allez apprécier et je vous laisse avec les deux matchs. Let's go! Merci l'enregistrement, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Good. Dites pas de niaiserie. Non, vous pouvez dire niaiserie, pas d'obscénité, c'est PG-13. Non, c'est général. Non, mais je suis speaker, puis mon gars, il est à l'ordi à côté. Le rating, il change souvent. Mon gars, il est à côté, en train de gosser sur Minecraft. Fait que... Ah! Bien. Marc-André, je fais combien de piles? 3. Je mets laquelle sur laquelle? Mets du milieu sur ta troisième. Puis de la troisième sur elle du... Comme sur ça? L'autre, là. Ouais. OK. Fait puis prends une carte, puis mets-la en dessous. Puis je prends une carte, je mets en dessous. Fait que si je gagne pas, c'est de ta faute. D'accord, Lynn. Moi, je me décharge toute responsabilité de cette façon-là. Oh, c'est ça, on... Si la game va mal, c'est bon, la faute à Marc-André. C'est bon, ça. Bon, attends un peu. Il y a un randomizer ici qu'on peut faire pour savoir qui c'est qui commence. Faut juste que je me rappelle c'est où. Ah, ben, il est pas dur à trouver. Tu l'as-tu trouvé, ou... Non. tu vas dans tes options sur le côté. Je vais aller chercher mes idées en attendant. C'est... Oui, oui. Update, là, je le vois pas. Ouais, non. Il était à quelque part, là. Il est dans la page. Ok, tu peux mettre Monarque. Tu peux éliminer, cliquer pour éliminer, t'es éliminé. Ouais, mais pas de suite, là. On laisse une chance de commencer à game. Add game panel. Ah, c'est-tu parce que... Non, normalement. Ah, randomize player order. 1, 2, 3. Aha! Fait que c'est... ça n'a pas changé pendant tout, on garde le même mot. T'as un peu. Ben non, là, je l'ai fait trois fois, là. 1, 2, 3. Ok, on y va de même. Ah. Ok. Pige pour le tour. Attends, Paris, moi, t'as de voir si je garde mes affaires. T'es bien pressé, hein? Attends. Après-midi. C'est okay, le... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a été long, hein? Il a fallu que tu me coupes ça. Là, je vais essayer de ne pas montrer ma main comme d'habitude. ok, je vais garder ça. C'est bon. Ok. C'est bon. Oui. Draw. Ah, ça se peut que je sorte mes tokens au fur et à mesure. Je pense que je vais pas sortir mes tokens encore. Parce que une forêt, puis je passe le tour. Tu joues okay. Je pioche pour le tour. Écoute, je vais suivre le mouvement, je vais mettre une forêt, je vais dire fin de tour. C'est pas original, je trouve. Ouais, je sais rien, là. Mais là... Pige! On va... Moi, je vais mettre une île. Ouh! Puis je vais taper... Voilà. Une Snow Covered Island pour jouer un Frost Augure. 1-2, je peux taper un Snow. Le taper, je regarde la top carte de ma librairie. Si c'est une Snow Card, je peux la révéler et la mettre dans mes mains. Cool. C'est bon. Et je passe le tour. Pige pour le tour. On va mettre un marais. Je vais payer 2. Je vais jouer un Root of Wisdom. Je vais miner les trois cartes de ma librairie. Je peux retourner un land ou un elf de mon graveyard à ma main. Puis si je peux pas, ben je pige une carte. Ah, oh, quand même. Ben, quand même. Canopy Technician, Enraise Forerunner, puis une forêt. Fait que je peux retourner un elf ou un land. Je vais retourner un Canopy Technician dans mes mains.
Pourquoi t'as pas pris la forêt? Parce que ça me tente pas de prendre une forêt. Ah. Puis je passe le tour. OK. Je pioche pour le tour. Je vais mettre un Evolving Wild et je vais dire un tour. Un tour. Une tape. C'est fort. Draw. Moi aussi, je le ferai. Oh! Ah, c'est bien nice, ça. Mais il y a de la neige dessus. Ouais, il y a de la neige, ouais. On va jouer un petit elfe frileux. L'elfe. Puis je vais. Ah, personne qui a des créatures. Ah non, je veux piger. Mm-hmm. Je vais passer le tour. OK, bon. Untap, draw. On va jouer une forêt. On va payer 3. Puis on va jouer un Riss the Exiled. Une 3-2, quand est-ce qu'elle attaque, je gagne une vie pour chaque elfe que je contrôle. Je paye un noir, je sacrifie un elfe, puis je regenerate Riss de the Exiled. Puis je passe le tour. Hein, faut-tu sacrifier un elfe, c'est bien dégueulasse. C'est cruel au bout. Oui. À la fin de ton tour, je vais sacrifier Evolving Wild, puis je vais aller chercher... une basic land. Je vais chercher une plaine. Je vais taper sur le terrain. Ah, mais là, c'est à moi, fait qu'elle va détaper. On brasse le deck. Top. On pioche pour le tour. Je vais jouer Cinderglade parce que elle n'arrive pas à taper parce que je contrôle deux basic land. Ensuite, je vais mettre. Je vais payer 3. Je vais jouer Karuk Heartbringer, dans le fond, ce qui a fait. Whenever Heartbringer deal combat damage, je look at mini. Dans le fond, je regarde au top de mon deck pour le nombre de dégâts que j'ai fait, donc 4. Puis je peux prendre une créature ou un Planeswalker, Karuk. Puis le reste, il va dans le bottom de libérer. Puis il y a aussi Hexproof from Black. Oui, ouais. Hexproof from Black, ouais. Pratique, ça. Oui, surtout qu'il y a deux decks avec du noir, contre toi. Très pratique. Je passe mon tour. Fin de tour, je vais taper de la neige et un petit augure. Puis je vais regarder ça. Puis je vais dire, je vais faire, haha, c'est une snow card. Fait qu'elle va aller dans mes mains. OK. On tape. Draw. On va essayer de prendre nos cartes. On va jouer une Command Tower. Des choix à faire. On va taper un vert. 1, 2, 3. Puis on va jouer un Wilderness Réclamation. Qui n'est pas encore banni en Commander. Mais qui est arrivé d'être banni en Commander. Ouais, c'est banni en Pioneer, Esther. Fait que à la fin de mon tour, je me tape toutes les lands que je contrôle. Je vais le tasser, ouais, je suis en anglais pas mal. Puis je vais caler fin de tour. Fait qu'à la fin de mon tour, je vais taper mes 3 lands. Un tap, puis drop. Ouh! Là, on va s'amuser. Ah. Pourquoi tu t'amusais pas avant? Ah, c'est ça. On va mettre un Canopy Technician. Ouais, marche, toutes mes elfes ont... Mes autres elfes ont plus 1, plus 1. Puis je peux le taper puis ajouter 3 mana verts. OK. Fait que... ouais, il n'y a pas vraiment... Matt, t'as quoi toi comme créature? J'ai 1, 2. Je vais t'attirer une 3, 2. Je vais prendre 3. Puis, quand ce qu'elle attaque, je vais gagner 1 point de vie pour chaque elfe que je contrôle. J'en contrôle 2, fait que je vais gagner 2 points de vie. Ouais, quand même. Ouais. J'essaie d'enlever les points de vie à Marc-André. Je suis rendu dans le bas. Moi, c'est ça, j'ai fait. J'essaie de te mettre des points de vie. Là, j'étais là, voyons, ça marche pas. Là, je suis comme, ah, c'est vrai, l'ordre n'est pas pareil. Je vais passer le tour. OK. Je vais détaper. Je vais piocher pour le tour. Ah, ça c'est intéressant.
Ensuite, je vais mettre un exotic Orchard. je peux faire du vert, du noir, du bleu. Ouais, pas de blanc, pas de rouge. Vous êtes bien plate. qu'est-ce que je peux jouer? Ce que je vais jouer pour 3 encore. Je vais jouer Idyllic Tutor. Mm-hmm. Que je vais aller chercher pour un enchantement dans ma librairie. Je vous le reveal, puis je le mets à ma main. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre. Faudrait que je le trouve. Doubling Season. Ah, quand même! Je refasse le deck. Puis je mets Doubling Season dans ma main et je dis fin de tour. À fin de tour, je vais taper un snow, puis mon petit pour regarder ça. Puis laisser ça là. Spoiler alert, c'est pas une snow card. Ah, ben là. Ah, quelle surprise! D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça. On a combien de mana? 4 mana. 4 mana, c'est pas assez, 4 mana. Moi, je commence à en avoir pas mal, du mana. Ouais, ben... Moi, j'aimerais ça en avoir plus. Ouais, moi aussi, il m'en manque un peu. Ouais. Il m'en manque un petit peu. On va payer un bleu. On va sortir un Ascendant Spirit. C'est une 1-1. À chaque fois que je tape du snow, elle peut grossir. Fait que ça va devenir une 2-3 en payant 2 snow. Après ça, en payant 3 snow, il faut que j'aille payer l'autre d'avant. Ça va devenir une 4-4. Ça devient aussi un Warrior Flying. OK. Puis si je paye 4, ça devient... Je mets 2 counters +1/+1. Puis quand cette créature-là fait des dommages, je pige une 4. Fait que ça devient comme une 6-6 Flying qui me fait piger. Ah, c'est bon ça. On va taper un, puis on va sortir Yorn. Ooh. On va sortir notre commander. Puis la fin du tour, on va détaper nos lands. Puis Marc-André, ça va. On tape, je vais piger. Ok. On va jouer une forêt. Je vais taper un noir. 3-4, mon canopy, on va jouer un Ladril, Blade of the Elf. C'est quoi, Phil? Elle a menace, c'est une 2-3 menace. Quand ce qu'elle, elle attaque, elle fait du combat damage à un player, je fais ce nombre-là de 1-1 Green Elf Warrior, créature token. Si je la tape puis je tape 10 elfes que je contrôle, tous mes opponents perdent 10 points de vie puis je gagne 10 vies. Ah. Ouais. Ok. Arc. Ouais. Dégueulasse. Ouais. Bon. Là, j'ai fait ça. Ça, ça fait 1-4. Ça, c'est beau. Je vais payer 2. On va jouer un film de Fame Bearer. Ah non. 1-3 Dead Touch. À chaque fois qu'une créature que je contrôle avec Dead Touch fait du combat damage à un player, ce player-là se fait a 2 poison counter. Ok. Fait que. Les elfes, ça se multiplie. Oui, ça. Ça a pas d'allure. Il y avait déjà Nat dans le playgroup qui avait un deck d'elfes, là, on en faisait que 2. Je peux savoir vos powers de créature que vous avez? Ah, moi j'ai une 4-3. Vas-y. Oh, j'ai juste une 4-3, moi. 4-3, ok. 1-2-1-1-3-3. Je vais passer le tour. Ok. Ok, on va détaper. Je vais piocher. Oh, ça, j'aime ça.
qu'on va mettre une autre forêt. Ensuite, on va pouvoir jouer... Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Pour 1, 2, puis 3, on va pouvoir jouer Garruk Uprising. Fait que si je contrôle une créature à 4 de power ou plus, quand elle arrive sur le terrain, je pioche une carte. Ensuite, les créatures que je contrôle ont Trample. Et quand une créature à 4 de power ou plus arrive sur le terrain, je pioche une carte. Fait que je peux jouer d'autres choses. Non, je peux pas jouer d'autres choses. Fait que. C'est quoi vos power levels, vous autres? J'ai un 1-3 dead touch, une 3-2, puis une 2-3. Ok. 1-2, 1-3-3. Écoute, j'attaquerai pas la dead touch. fait que je vais aller de l'autre bord. Je vais t'attaquer. C'était pas nécessaire. Moi, je sais que c'était pas nécessaire, mais moi je veux mes cartes, moi, là. C'est une 4-3? Ouais, une 4-3 Trample. Ouais, Trample. Seigneur. Non, Marc-André, ça suffit. Je vais double bloquer. Ok. Avec qui? Yorn puis le Spirit. Ok. Fait que je vais faire 4 points de dommage. Ok. Puis, ma créature va mourir. Puis moi, les deux miennes vont mourir. Ok. Ah, c'est fun, ça. C'est de la place. Ouais. Mais j'étais pas sûr qu'il allait bloquer. Je me suis dit, oh, il va peut-être en petit chien. Je vais pouvoir, Non. Tirer une carte, mais non. T'as dit, tu sais, tu piges plus que moi, puis tu joues pas bleu. Ah, ben là. C'est pas grave, ça. Écoute. Ben, fin de tour. Fin de tour, on va... Chercher ta librairie, ta top 4 de librairie, si tu gardes ça. Ouais. On va piger. Colin, là-dessus, on n'est pas chanceux, par exemple. Là-dessus, on n'est pas chanceux, chanceux, chanceux. On se comptera pas de menterie. Vert, on s'en fout un peu. On va jouer un Temur Sabertooth. Je peux payer. C'est un 4-3. Je peux payer un colorless puis un vert. Je peux ramener une autre créature que je contrôle dans mes mains. Si je le fais, le Temur Sabertooth gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. OK. À la fin de mon tour, je vais détaper mes landes et passer le tour. Je vais untaper. Je vais piger. On va jouer une forêt. Bon. Et je reste dans le thème, mon Temur Sabertooth, il y a de la neige ici, c'est correct. Ah, yeah. Ah, ben oui. fait que t'es le seul qui a des créatures, maintenant. Ouais. Oui. Board white. pas de suite. Bon, je vais payer. Bon. Hein? Ah, c'est vrai, ils ont tous +1/+1, j'ai oublié de dire ça. Ah non! T'as oublié, tu sais, ça. Tu sais, on est pas. 2, 4. 4, 3. Une 3, 3. Puis une 3-4 qui s'en va vers toi, Dan. Ah, ben là. fait que là, tu m'enlèves combien au total, là? 3, 6, 10, 12. Oh! Puis t'as 2 poison counters qui s'en viennent sur toi parce qu'une créature avec dead touch qui te fait du dommage. Bon, je vais juste recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis là, il y a des poison counters là-dessus, là, j'imagine. Il y en a juste 2. Ok, ben, je vais me mettre un petit dé à côté. Là, avec tu peux, en cliquant sur ton nom, tu peux mettre poison, miscellaneous, infect, puis tu peux le monter à 2. Ah, ok. Puis là, vu que mon Lidrid a fait 3 points de dommage, je vais acquérir 3 elfes token. Ok. 1-1. Avant la
Après ça, on va faire... Tu gagnes des points de vie aussi? Hein? Tu gagnes pas des ah, points oui, de vie? Ah oui, c'est vrai, je gagne... 1, 2, 3, 4... Ça, faut 4 pas y rappeler, ça. C'est pas un you, mais... C'est pas 3 tokens, je pense, c'est 1 token. C'est quand elle fait du combat damage, tu fais 1 token. Non, tu crées ce nom. Ah, Deathmany. Deathmany. Elle regarde. Oh, oui, j'ai regardé. là, je vais payer 3, puis je pense que je vais jouer une des cartes qui est le plus. Je pense que c'est une carte qui est vraiment forte, là. Harvest Season. Je vais chercher ma librairie pour X Basic Land Cards. Puis X, c'est le nombre de créatures tapées que je contrôle. Puis je mets ces cartes-là sur le battlefield tapé. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que je vais me chercher 4 basic lands dans mon deck. Ouais. Ça rentre beaucoup. Ouais. Tu m'en donnes une. 2. Je t'en prendrais peut-être une coupe, moi aussi. 2. Ouais, c'est ça, là. j'ai 3 lands. 4. C'est vrai que toi, t'as 3 lands, par exemple. C'est à cause de Marc-André. Non, c'est tout à cause de Marc-André. C'est lui qui a sacré Marc-André. On va brasser ça. Et là, là. Il faut que je fasse de quoi, là? Ouais, moi aussi. Parce que sinon, je suis comme un peu dans la merde, là. Pas de créatif sur le board, là. Ouais, faites pas de blanc, vous autres. Non. Ouais. Bon. Je vais payer 2. Pour se rajouter une Miara, Thorn of the Glade. Casque elle ou un hôtel que je contrôle mal, je peux payer 1, puis 1 point de vie, puis si je le fais, je pige une carte. C'est une 1-2. Fait que là, l'objectif, c'est qu'il y ait tellement d'elfes qu'on board white, puis là, il paye full point de vie, puis j'ai full carte, puis il meurt. Ouais, c'est ça. Si ça me tente. Ouais, c'est Je pense que je l'ai assez fait, ça fait que je vais passer le tour. Tu penses? Ben écoute, tu penses? Bon ben, je vais détaper mes laines. Bon, je vais piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je n'ai pas assez de laines. Ben écoute, ça va attendre. On va jouer... Ben écoute, on va jouer... Foup. Taper toutes mes laines. On va jouer Garruk. Gired, excuse. De Conclave Eslav. Puis quand il arrive sur le jeu, il met un petit Rhino 4-4 Trample. Puis là, ça va chain avec mon Garruk, qui va pouvoir me permettre de piocher une carte. Puis, dans le fond, quand Gired attaque, il populate un token Tapping et Attacking. Puis, pour le tour, je vais jouer une laine, je vais jouer Gruul Turf. Elle va arriver à taper, puis je vais remonter une autre laine dans ma main. Puis, je vais dire fin de tour. Fin de tour, petit coup de frost augure. On va révéler un Merit Large Slumber. Ooh. Good. On va mettre dans nos mains. On est quand même un peu... Ah, passez-tu nos permanents encore? Tavernouche que je suis pas chanceux. 3, 4, 5, fait 6, là, 6, j'ai 6, des... 6. Moi, j'ai 3, ah. 2, 2... Elf token, puis j'ai une 2, 3 qui vient de taper. Puis moi, j'ai 8 cartes, fait que je vais en discarter une. Je vais discarter Eternal Bound. Sais-tu, jusqu'à date, pour un petit sort plus, je pense que je m'en sors pas pire. Mais il est bon. Non, mais il est bon, ce deck-là. J'ai quasiment pas fait d'ajustement dedans. Je l'ai sorti de la boîte, puis je l'ai sleevé, là. Ok. C'est-tu le nouveau, ça, là? Ouais. Je pense que j'ai ôté 4 cartes dedans que j'ai remplacées. Pas de tabarnouche, hein? Puis là-dedans, il y a une ou deux. Il y en a une que c'est un land que j'ai remplacé pour un meilleur land. Ah, ben, okay. Je vais taper un bleu puis un vert. Je vais jouer un Merit Large Slumber. Quand Merit Large Slumber ou un autre snow permanent arrive sur le battlefield sous mon contrôle, je scry 1. On va commencer par scryer 1. On va laisser ça dessus très précieusement. Au début de mon upkeep, si je contrôle 10 ou plus snow permanent, je crée un Merit Large token qui est 20-20 flying et destructible.
OK. En fait, ben, je sacrifie ça, puis je crée un, ouais, un token. C'est un enchantement, ça? Hein? C'est un enchantement, ça? Ou... Ça, oui, ça, c'est un enchantement. Ah, c'est ça, l'ingénierie, c'est ton enchantement, mais oui, toi. Fait que là-dessus, je vais passer le tour, puis en passant le tour, je vais untaper ça ici. Moi, je vais te détaper. Puis je vais aller chercher mon token. Puis j'ai une carte. Oh. Ouais, moi aussi, j'en ai un couple de tokens. On va jouer un Full Archered. OK. Là, je vais jouer une carte que quand j'ai joué sur Arena, ça m'a vraiment, vraiment fait. Bip. Bip. On va payer 4. Puis je vais jouer un Crippling Fear. Puis je vais choisir Elf. Fait que toutes les créatures qui sont pas des elfes font -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Ah, ok. Moi, je suis chanceux parce que mon Finn, vu qu'il a son. Ah non, il a pas le +1/+1. Fait qu'il a... Ah, il meurt, je me. Ah, ben non, il... ouais. C'est un elf. Non, c'est pas un elf. J'ai une coupe de réponses. Oh, attends. Je ne ferai pas rien. Je vais payer 1. Je vais taper le Frost Augure. Je vais révéler une Snow Covered Island que je vais mettre dans mes mains. Je vais taper un vert, un colorless. Je vais ramener le Frost Augure dans mes mains. Je vais donner Indestructible au Temur Sabretooth. Fait qu'il y a juste le Boreal Druid qui va... Ah, c'est moins et moins, hein? Ouais, moins et moins. C'est -3/-3. C'est pas Destroy. C'est correct. Ben, je vois, c'est pas grave, je sauve mon autre pareil. Fait que ça, ça va. Mes trucs sont corrects. J'ai une 4-4 puis une 2-5. Fait que... C'est bon. OK. Fait que, ben là, c'est une 4-4 puis une 2-5 que t'as, hein? Ouais, une 4-4 puis une 2-5, ouais. Fait qu'ils sont corrects. Bon, ben, ouais, ben non, ils seront pas joués. Quoi? C'est... Non, mais t'es pas obligé, là. tu peux les laisser là. Hein. Je vais détruire ta 2-5. Ah, OK. Puis elle peut pas être régénérée. Ah, ben je vais l'envoyer avec dans quoi, la... Avec quoi, ça? Avec Putrefy. OK, Putrefy. Putrefy, ouais. Mais ben, je vais l'envoyer dans la command zone. C'est bon, fait ça. fait que là, je vais attaquer avec une dame parce qu'elle a menace. Je vais t'attaquer avec une. Je vais juste attaquer avec une carte cette fois-ci. Je vais t'attaquer avec une 3-4. Ok. Matt. Donc, toi. je vais t'attaquer de 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapardouche. Okay. Je vais t'attaquer de 15. Je vais gagner. Ok, fait que là, y a-t-il quelqu'un qui a des réponses? Des... Écoute, non, moi, toutes mes manas sont tapées. Je peux rien faire. Hein. Moi non plus. Ok, fait que on va commencer par les triggers, les premiers triggers que j'ai. Fait que la Dread a fait du combat damage. Il en a fait 3. Ouais. Fait que je vais recréer 3 elfes. C'est pas 4, t'as pas un +1/+1? Hein? Non, ben c'est une 2-3. Ok, c'est une 2-3. Ouais, c'est ça. C'est une 3-3. Puis toi, Matt, tu vas prendre 15. C'est puis je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte mes elfes qui viennent de rentrer en jeu? Ben, avec c'est Chris. Que tu possèdes? Non, ouais, c'est ça. Que tu possèdes. Ouais, que je possède. Mais t'as-tu fait. Attends, genre, le trigger, il se fait-tu avant ou après le combat damage? Ben, c'est quand ce qu'il attaque. Ah, c'est avant. Fait ouais, 1, fait que 2, tu les comptes 3, pas. 4, 5, ben, ouais, 6, 7. Fait que je vais gagner 7 points de vie. T'en laisse. Ouais, c'est bien. Ouais, parce que là, 46. Ouais, il est déjà à 46. Hein. Oui, je commence. Allons, ça va prendre une carte Jésus au prochain tour, parce que d'après moi. Ouais, c'est ça. la sainte pioche, là. Parce que, là... Oui. Puis j'ai plus de cartes dans les mains, puis je vais passer le tour. J'espère aussi. Je tape, je pioche. Mais écoute, j'ai toujours mon petit token. Déjà ça de prix. Je vais mettre Cinderglade. Il n'y arrive pas d'étape parce que j'ai plus que deux trucs. Écoute, je pense qu'on va y aller pour un.
pour 2, 4, 6, puisqu'elle vaut pour 2 mana. Jouer un Warm Call Engine. Fait que Deathrush Lifelink, puis quand elle meurt, je peux mettre un 3-3 Colorless Worm Artifact Creature Token with a Touch, puis un autre avec Lifelink. Puis je pioche une carte grâce à Garruk Uprising. Je pense que je vais passer mon tour. Je vais pas attaquer dans ces. Je vais attaquer dans ces tokens. Ou tu peux attaquer Mathieu. Mais Mathieu, je pense qu'il a moins de points de vie que moi. Il est en train de. saigner dans son coin là. Il est pas bien là. Ah, tu sais quoi, je vais t'attaquer avec ma 4-4 dans tes tokens. Ouais. Allez, 4-4 Trample. Ah, je vais prendre 4. Ah, c'était juste ça de prix. Fait que. Regardez un peu ce que sera l'attaque à le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes dans ma main. Je suis bon. Oh. Bon. Ouais. Il faudrait un petit peu plus de manœuvre pour jouer ma main, Esti. Bonjour, Neil. Oui. T'as le droit. Ouais. Ça allait bien tantôt, ça va un petit peu moins bien, je pense. Ouais, c'est ça que je me dis, là aussi. Là. Ah, mais Crippling Fear, c'est vraiment bon dans un deck tribal, là. Ouais. Ben, surtout que ce deck-là, genre, à value, genre, de base, out of the box, si t'achetais toutes les singles, là, ah, ouais, je pense que t'en avais plus que 100$. Ah oui, ben j'ai l'autre aussi, le Spirit, puis lui et tout. Si t'achètes, tu n'as 90, je pense, US. Ouais, c'est ça, là, t'es bien. Hein. Bon. T'as-tu la carte Jésus, Mathieu? Non. Non? Non, moi j'essaie juste de m'acheter un tour pour survivre de plus. Oh! Fait qu'on va jouer un Frost Augure, parce que j'adore cette carte-là. On va... On va jouer un Winter's Rest sur ta Commander, Marc-André. Quand Winter's Rest arrive sur le battlefield, tu tapes Enchanted Creature. Puis tant que je contrôle un autre snow permanent, elle ne détapera pas. Ah, c'est bon ça. Ah! Puis là, tu sais, pourquoi t'as pas fait ça sur son Wormcoin? Parce que je veux qu'il tape dedans avec son Wormcoin. Ouais, c'est ça, je vais faire. Bon, ben ça veut dire quand tu peux pas éliminer le problème, t'élimines le joueur. Ouais, c'est probablement ça qui va arriver. ouais, je pense aussi. Fait que. Je vais taper un verre, je vais faire un crop rotation, je vais saquer une île, puis je vais aller chercher une lane que je vais mettre sur le jeu de taper. Ok. Puis en même temps, ça va me dire à quel point c'était horrible. Écoute. Mais là, t'as un Frost Augure. J'ai-tu une LAN qui va me sauver? Je pense pas. Honnêtement, là. Pas supposé avoir de LAN qui sauve la vie là-dedans. Ça risque d'être ça que je vais prendre. Hein. Quelle date c'est ça? Va me permettre de re-shaker le deck un peu puis de le refaire couper au moins. Colin. Ouais, les lames t'as pas mal encore collé. Là. Ah. Ouais. Des excuses. Ouais, des excuses. De toute façon, on sait que c'est de ta faute. Bon, fait que on va aller chercher un Zagat de Triomphe qui va arriver sur le jeu tapé. OK. Mais qui va détaper à la fin de mon tour. Ça va me permettre au moins d'avoir un mana noir s'il arrive de quoi au prochain tour. Si je survis jusqu'au prochain tour. Ouais. C'est à 22. Hein? On coupe ça comment, Marc-André? Prends une pile de 7 cartes sur le dessus. OK. Puis mets-la en dessous. C'est précis. C'est très précis en fait. C'est qu'il soit il fait de la soit il est devin, soit
Soyez vu les cartes. Fait que ça va être une fin de tour, je vais détaper mes lands, puis ça va être à toi. C'est bon, je vais détaper ma shitload de land. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Bon. Puis j'ai ma carte. Oh! Comme si je n'avais de besoin. Un land! Ah ben, je pense qu'il va y avoir une petite alliance qui va devoir se faire ici, non? Parce que c'est clairement pas moi la menace, avec un token puis un Warm Coil, là. Pas faire grand chose. Bon, fait que... Mathieu. J'ai un 1-2. Ça va? J'ai une 1-2, attention! Est-ce que ça va, Mathieu? Ça va très bien. Oui? Ok. Si je te dis que je t'attaque avec tout. Tabarnouche. Ça fait combien? Attends, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je t'attaque de 20 au total. Ok. Je vais gagner 1, 2, 3, 4, 6, 7. Je vais gagner 9 points de vie. Ben moi, je bloque ton plus gros. Quand même. Ouais, ben, je gagne mes 9 points de vie. Oh, oui, mais c'est ça. Fait que, c'est quoi ton plus gros, 3? Mon plus gros, ça va être une... J'ai une 4-3. Ah, une 4, un colline. Ah, c'est bon, ça. Fait que tu m'attaques de 16. Ouais. Fait que Worm Coil peut me tuer si vous décidez. C'est bon. Puis là, je suis ouvert aux attaques, puis je passe le tour. Tu es grand ouvert pour mon attaque. Mais oublie pas, elle a pas vigilance. Ouais, c'est vrai, elle a pas vigilance. C'est très vrai, ça. Écoute, je vais mettre une petite laine, une gargoyle de castle. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux faire bien les affaires. Ouais, ça va détaper. Ça aussi, ça va être là. Je vais. Ok, pas de blanc, fait que je peux pas jouer ça. Et ton chat, il te demande d'avoir pitié de nous autres, là. Ouais, c'est ça, il est comme yo, c'est comme un peu cruel ce que tu fais, là. Fait que 3, j'ai mes deux rouges là-dedans. 4, 5, fait que je vais pouvoir jouer un Terror of the Peak. Que je vais pouvoir piocher une carte à cause de Garruk. Ensuite, il me reste 3 mana. Pas faire grand chose avec ça. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, qu'est-ce que j'attaque? Hein? On se demande encore. Hein? Mais non, je vais attaquer Parm 008 avec oui. Avec mon Worm Coil, oh. Puis mon token 4-4 Trimple. Fait que je prends quoi, 10? Ouais, tu prends 10 dégâts, puis moi, je me gagne 6 points de vie. Oh, j'étais à 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'aimerais ça avoir du lifelink. Ouais. Si vous voulez target mon Terror of the Peak avec un spell, faut payer 3 points de vie de plus. Fait que fin de tour. Ah ouais, ça peut s'arranger. Bon. Ah. Carte Jésus, Matt, carte Jésus. Forêt. Board wipe. ouais, non. Ouais, un board wipe à 5 mana, je sais pas si ça existe. Hein? Doom score, mais je joue pas blé. Ah. Damnation, mais il est pas dans ce deck-là. Joue-tu ça? Ah oh oui, Oran Frostfang, c'est une 2-6. Les créatures que je contrôle qui attaquent ont touché mortel, puis quand une créature que je contrôle fait du combat damage à un joueur, je pige une carte, ce qui n'arrivera probablement pas. Fin de tour, je vais untaper mes lands. C'est le fun, je peux untaper mes lands, mais j'ai rien à faire avec. Ah, oh, c'est ça! J'étais super bon, content, j'avais une belle bête de départ, puis j'ai pas d'idée. On va piger. Oh boy, ok, ouais, là ça. Je vais payer 3. Je vais mettre un Elvish Archdruid. Toutes mes autres elfes font +1/+1.
Je le tape, puis je mets un mana vert pour chaque elfe que je contrôle. Ça fait... Matt, tu as une créature pour bloquer. Yes, sir! Oui, sir! C'est une 2-6. Ça bloque beaucoup. Les touch aussi? Non, c'est une quand il attaque. Ah, ok. Ah. Ouais. Matt, je vais, Matt, je vais envoyer 9 vers toi. 3 tokens, parce qu'ils sont... plus 1 à cause de mon Canopy Technician, puis plus 1 à cause de mon Elvish Archdruid. Il va t'en manquer un peu. Pourquoi? Ben, 3, 6, 9, je t'attaque avec 3. Ben oui, je suis capable de bloquer, je suis capable d'en bloquer une. Oui. Ah oui, ça fait 6. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Puis, Dan. Ouais. Mettons, 1, 2, fait 3. Ouais. Ça ici, ça fait 9, ça veut dire 12. Cool. 12, attends un peu là. 12, 1, 2, 3. 15. Puis 18. Ok. C'est quoi ta plus grosse que je la bloque? Ce sera pas là, je vais juste gagner mes points de vie. 1, c'est 2, tout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais gagner 11 points de vie. Fait que là, je vais venir à 59. La plus grosse que j'ai, ça va être probablement un des tokens qui s'en va vers toi, qui est une 3-3. Ah non, excuse, j'ai une 4-3. Une 4-3? Ok. Ouais. Ben écoute, je vais bloquer ta 4-3 avec mon Terror of the Peak. Ok. Et, à la déclaration des bloqueurs, je vais payer 2 mana vert pour jouer Heroic Intervention. Fait qu'ils ont Hexproof et Indestructible. Ok. Puis vu que la mienne marche, je vais payer un noir, je vais sacrifier un elf token après le dommage. Puis je vais régénérer mon Riz. Ok. Puis c'est tout, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Fait qu'on va détaper les laines. T'as-tu pris ton dommage ou? Ah oui, c'est vrai. T'as combien j'avais déjà? J'ai bloqué la 4. T'as bloqué la 4, ça veut dire t'avais. 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. T'avais 16 qui passaient. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'étais à 15 points de vie. C'est 15 de plus que moi. Oui, c'est très vrai. Il faut là, être positif. Ma carte est de nouveau à pu redevenir à moi. Ouais, on va pouvoir taper au prochain tour. Ouais, je vais jouer mon land pour le tour. Oui. Une montagne. Il me semble que j'ai pas dit souvent ça dans la game. Je vais jouer mon land pour le tour. Ouais, c'est non. Ça. Je vais jouer pour 1, 2, 3, 4. 4, 5. Pour 5 mana, je vais jouer Doubling Season. Ouais. Ensuite. On espère pouvoir survivre jusqu'à temps que je puisse l'utiliser. Ensuite. Je peux faire d'autres choses. Je peux pas faire grand chose d'autre. Écoute, je vais t'attaquer par les cieux avec mon Terror of the Peak. Et je vais t'attaquer. Je pense que ça va être tout. Je vais t'attaquer avec mon Terror of the Peak. Et 5. Ouais, 5. C'est bon. Oui, c'est à toi. Je vais un taper tout. Puis j'ai ma carte. C'est un. Okay. Bon. Je vais t'attaquer avec tout. Tu vas m'attaquer avec tout? Ok. Fait que j'ai une menace ici. Ok. Qui est. Je vais gagner mes points de vie. Ouais, c'est ça. Je vais commencer par faire tous les dommages. Ok. Fait que. 4. 7. Plus 5. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22, 23. Ah, ok. Ouais, j'attends, je viens de me tromper. Ah! Bien trop à compter, là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Juste là, c'est 15. 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31. Ok. Ben, il me semble 30, que même si je bloque. 31, puis je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais gagner 10 points de vie. Tabarnouche. Ok. Je vais bloquer ta carte encore. C'est ta plus grosse, j'imagine, encore. Ma plus grosse, elle a menace. Ah, la menace, ouais. Je bloquerai pas ton commander. Ça me servira à rien. Ok, donc, j'ai mon risque qui est à. Qui est une 4. Excuse, une 5-3. Là. Ouais, je vais bloquer ta 5-3 avec mon Worm Coil. Ok. Puis ensuite, je vais bloquer. Je vais en bloquer une autre, là. Ton autre plus grosse, là, avec bon, mon 4-4 Trample. Ok, mettons qu'on met. Ça va être mon Canopy Technician. Ouais. Qui est une 5-5. Ok, fait qu'on va bloquer la 5-5. S4-4. Ok, je vais bloquer la 4-4 avec ma 4-4. Je vais bloquer la 5-3 avec ma 6-6. Ouais. Puis, est-ce que je gagne le lifelink avec oui. Ok. Il va faire fait que je vais mettre... 6.2. Ouais, attends. Que j'étais à 15, fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon rhino meurt. Ouais, ben, ce sera pas long. Je vais te dire comment est-ce que tu prends tout le dommage. Ok. On avait dit tantôt 31. Ouais. Enlève 9 à 31. Ça fait 22. 22, ouais. C'est ça que tu m'as dit. C'est ça que tu m'as dit. Ah, c'est un chat! Ah, il va rester un peu de vie. Bon, ben, écoute. Hey, good game, good game. Hey, good game. À 0. Mais écoute, la manœuvre était pas là, puis ben, écoute, toi était là, en tout cas. Les elfes, c'est rare que tu manques de mana dans les elfes. Si tu manques de mana, repense ton deck. Ouais, c'est ça. Parce que quand tes elfes te donnent la mana, quand ils... puis, genre, tu peux en chercher avec des elfes. Écoute. Ouais, Matt, mon projet s'en vient bien, là, mon Game Boy Color que je suis en train de faire. Là. Ouais. C'est pour... Ben, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pour un de mes chums que je le fais. Mm-hmm. J'ai envoyé, vu qu'il y a son channel Twitch, il stream. Fait que je vais faire une publicité un peu que je vais commencer à en faire. OK. Je vais faire mon GameCube et tout. Moi, le mien, mon Game Boy Color, j'en ai un autre. J'attends mes morceaux, mais je vais avoir un LCD screen dessus. Pour jouer, pour qu'il éclaire. Bon, coupez-moi ça. Bon, Dan, c'est à toi de couper. Ok, ben coupe-le en 3. De la façon que tu veux. Écoute, moi je suis pas aussi, aussi précis. Prends celle du milieu, mets-la à celui de droite. Puis celui de droite, tu le mets sur celui de gauche. Alright! Fait que c'est une mauvaise game, c'est de ta faute. Bon! Ok! Fait que tantôt c'était de ma faute s'il y a eu une mauvaise game. Ouais. On va randomiser ça. J'avais trouvé c'était où tantôt. 1, 2, ouais, moi je fais 3. Ça a pas bougé. Non. Pourquoi? 1, 2, 3. Ah, mon cross. Ah. Excuse, je regarde mon bacon en même temps. À partir de ma vitre de chambre. C'est enregistré ça, hein, bacon. Oui. Pour ceux qui étaient dans le live tantôt, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il nous a dit tantôt qu'on pouvait aller chez eux pour lui chercher voler du son bacon. ok, ouais, je vais garder ma main, je pense. Moi et tout, puis j'ai de quoi faire avant que ça commence. Vas-y. Ok, bon, je vais révéler mon Leyline of Abundance. Okay. Si dans mon opening hand, je peux commencer la game avec ça sur le jeu. Comme si il n'y avait pas de mana.
C'est ça, à chaque fois je tape une créature pour 10 mana, je rajoute un mana vert de plus. Okay. Si je paye 2 mana vert, 6 cas de couleur, n'importe quelle couleur, colorless. Je mets un plus un counter sur toutes mes créatures que je contrôle. Fait que je vais commencer le jeu avec ça en jeu. Puis là, on peut continuer. Là, je vais... Bon, c'est déjà un bon début. Il y a besoin de ça, d'abord. Moi, j'ai besoin de mana. On va passer. Jouer un petit marais, puis on va passer le tour. Ouais. On va piger. Je vais jouer un lac, une forêt, puis on va passer le tour. Écoute, moi je vais piger pour le tour. Je vais jouer une plaine, je veux dire fin de tour. Draw. Il, on va jouer un petit Priest of Haunted Edge. 0-4, c'est un maudit bon bloqueur. Je le tape, je le sacrifie. Target créature, gagne moins X jusqu'à la fin du tour. X est égal au nombre de Snowland que je contrôle, mais je peux juste le faire en tant que sorcerie. Ok. Pastor. Draw. On va jouer Alan, puis je vais passer le tour. Ok. Pioche pour le tour. On va jouer une forêt. Puis, on va taper deux. Jouer Farseek. Je peux aller chercher une plaine, une island, un swamp ou une mountain card, puis je le mets sur le battlefield ou tarte. On va aller chercher une belle petite plume, tu sais. On va la mettre taper. Et ça va être une fin de tour. Ouh, on tape. Drop. On va jouer un marais. On va jouer des petites bottes. Vu que ça coûte 0, on va équiper les petites bottes. Mais ça reste un 0-4, on va passer le tour. C'est à moi. Yes. Pige. Lame pour le tour, une forêt, puis passe le tour. Ah, oh, ben, quand même. Je pioche pour le tour. Ben, il manque une couleur. Fait que là, j'ai ça. Fait que je vais pouvoir mettre une autre plaine. Hé, hey, on manque pas de plaine ici. Non, moi, c'est des forêts, je manque. Puis, je vais jouer pour deux blancs. Je vais jouer un grand abolisseur. Fait que, durant mon tour, mes opponents ne peuvent pas caster de spell, d'activate ability ou d'artefact or de creature ou enchantement. Dans le fond, tu peux pas rien activer pendant mon tour. Ça va être une fin de tour. On tap, draw. Moi aussi, je manque une couleur. On va jouer un swamp. Puis on va jouer une carte contre les elfes. Ah, ça, on aime ça. Verity Circle. Quand une créature qu'un opponent contrôle devient tapée, si c'est pas pour déclarer une attaque, je peux piger une carte. Ah. 4 colorless plus un bleu, puis je tape une créature qui a pas flying. Pass turn. Tape-les tes elfes de la Mana Master. Pass turn, j'ai joué une forêt. Ah, ok. Ouais. On va d'étape. Je suis tranquille, ça va. Ouais, oui, c'est ça, là, de coup, là. Attends, mais j'ai du noir. Il nous laisse une chance. Je vais mettre une Sungrass Prairie. Prairie. Elle me donne... je peux taper un, puis elle me donne deux mana. Fait que, mettons, si je tape ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Fait que je vais taper un mana pour avoir deux mana. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je vais jouer un enchantement qui est Bless Sanctuary. Ça prévente toutes les non-combat damage qui vont être dealt tous mes créatures et moi. Puis ça prévente whenever a non-token creature enter the battlefield, je peux faire un 2-2 unicorn creature token. Fin de tour. Alright. Draw. On va jouer une île. Ouais, il manque un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Fin de tour. Drop. ça veut dire. Ça, c'est bon signe, ces petits sons-là. Bastard. Avant la fin du tour de Marc-André.
Je vais taper 5 pour taper le grand dame balécheur. Ok. Puis ça va me permettre de bouger une carte. Puis ça va être à toi. Ok. Il est top. Ah, ouais, il est top. C'est juste, je peux pas le faire pendant ton tour. Ouais, c'est ça, tu peux pas le faire pendant mon tour. Ah. C'est l'autre créature sur la table. Fait que... écoute, je vais mettre un mana rouge, celle qui me manquait. Puis, ben écoute, on va caster notre commander. 3, 4, 5. Paf. Qu'on casse Karid. Puis, il arrive avec un petit 4-4 Trimple. Puis, ça va être Fento. Fento, ben, ça va vite, ça va vite, ça bouge. Alright! Forêt! Un, deux, trois, mettons. On pourrait faire ça. On fait tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je fais tout ça ou je fais ça? Aidez-moi, je sais pas quoi faire. Ben, écoute, ouais, fais ce que tu veux, ouais. Juste ta carte, la droite. Non. Hey, tu m'as dit qu'est-ce que tu voulais. Peut-être pas, tu nous as demandé. Hey, ton truc, là, c'est un enchantement, right? Hein? Ton, Verity Circle? Ouais. Non, le Leyline of... Oui, c'est un enchantement. Ah, ok. Ah, c'est cool, ça. Colin, devine, j'ai trop de choix. Hein. Mais j'ai pas le choix de jouer ça. J'ai pas le choix de jouer ça. Un vert, un bleu. Une, deux, trois. Tatiova! Ah! Ah, Tatiova! Tatiova. C'est Saltis, hein. Ça fait partie de la Saltis. Tu sais, genre, il s'en va de bit-bit dans son ordinateur, il met un JPEG. Pasteur. C'est bon, on va piger, on va voir si je pige. Oh, je pige de quoi? Moi, je peux jouer. Payer 3, on va jouer un Marwyn. Qu'est-ce qu'un autre elfe rend-tu juste mon contrôle? Je mets plus un dessus. Je la tape, puis je rajoute un manœuvre égal to son power à il. Ok. Fait que je vais passer. Ok. Donc, moi, je détape mes beaux petits manos. J'ai rien, là. Je vais piocher une carte pour le tour. Ouais, c'est le changement de l'autre game de tantôt. Ouais, c'est juste que je vais avoir un noir. C'est là que ça va commencer à avoir du plaisir. Si je fais ça... ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est dans ma main, ça. Wow. Tac, tac, tac. Je vais jouer. J'ai-tu 6 mana? Ouais, je vais avoir 6 mana. Fait que si je fais ça, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Pour 6 mana, je vais jouer un Soul of New Phyrexia. Dans le fond, c'est à Trimple. 6-6. Je peux payer 5, puis mes permanents que je contrôle ont indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou je peux payer 5 puis exile Soul of New Exeria. Ouais. Puis de mon graveyard, puis mes permanents quand il est indestructible. J'ai fait du tour. Fait que pour la phase de combat, je vais attaquer notre cher ami qui a rien sur son board. Écoute. C'est pas moi. J'ai une carte. Ouais. Puis, écoute, je vais taper avec Gired, puis mon Rhino Trimple, puis ça va trigger mon petit Gired qui va pouvoir populate un de mes tokens. J'en ai juste un. Ça fait combien, ça, là? Fait que là, t'as deux Rhino 4-4 Trimple, fait que ça fait 8, 9, 10 dégâts, si tu bloques pas le commande. Ah, elle est pas de même. C'est ça, les gars. Yeah! C'est <t'es> bon. Je vais en bloquer une, je vais bloquer ta plus grosse. Ah, mais ils ont tout Trimple, là. Ouais, ceux-là, ils ont Trimple, mais c'est mon petit Commander, il n'y a pas Trimple. Non, je vais bloquer ta Commander. Ok. Fait que je prends quand même comment? Tu prends bit de dégâts. Juste ça. Ah! Juste ça.
Nice. Ça fait du bien, hein? Ah, ça fait du bien, c'est vrai. Là, tu vois, non, t'es à 32. Contraire. Ouais, 32. Et ça va être une fin de tour. Fin de tour. On tape. Ok. De ça, ça s'en va au trépied. On va mettre une lane pour le tour. Je vais peut-être voir votre égaré gagner un point de vie et piger une cards. Good. On va bouger les Lightning Greaves sur Tatiova. C'est un 6-6 ton truc qui est indestructible. Ouais, c'est un 6-6 Trimple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va taper et sacrifier le Priest pour donner moins 6, moins 6. Sur le fixe. C'est pas juste, mais je peux l'activer du Graveyard. Fait que c'est pas spé. Tu peux l'activer du Graveyard? Ouais. Ouais, tu peux payer 5, l'exiler, puis rendre indestructible tous mes trucs jusqu'à la fin du tour. c'est vraiment bon. On va jouer un Replicating Ring. Ooh. Oh. Tap, jardin mana, n'importe quelle couleur. C'est un snow artefact, donc c'est un snow mana. Au début de mon upkeep, je mets un Night Counter sur le ring. S'il y a 8 counters ou plus, je crée 8 colorless artefacts appelés Replicating Ring qui créent des mana de la couleur que je veux. C'est pas gentil, ça. Je pense pas qu'on va se rendre là, ben. Mais bon. Un vert. Je vais jouer un Boréal Druide. Un vert plus un autre, je vais jouer un Sculptor of Winter. Ok. T'as juste un grand arbolicheur. Ouais, pour bloquer, ouais. 2-2. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Sinon, c'est des 4-3, hein. Je bloquerai pas avec anyway. Ouais, un petit coup de 3 de Tatio va. Ok. Bah écoute, je le prends. Ouais, je pensais bien. Puis je vais penser bien. Mais du tabac, il t'allait pas. Ah, hein. Une tapis. Ouais. Je vais piéger. 7, 8. Faut que je discarte une carte. Tu peux rien jouer? Non! Ben voyons. Ok. Ben il y a. Alors, c'est parce qu'il nous a trop sacré une volée dans l'autre game d'avant, fait qu'il sort. Ouais, c'est ça, là. Je vais mettre. Prowess of the Fair. C'est un enchantement tribal elf. Puis. Ça va être. Passe le tour. Ok. Ok, moi je vais détaper mes créatures, détaper mes lands. J'ai besoin d'un noir. Josh! Ah, écoute, moi je vais mettre un autre petit blanc. Puis écoute, là j'ai 1, 2, 3, 4 créatures. Si je fais ça, dans le fond, ça va faire 1, 2, 3. Fait que là j'ai mis deux verts. 4, 5. Je vais pouvoir jouer Shamanic Révélation. Ouh. Fait que dans le fond, je pioche une carte pour chaque créature que je contrôle. Fait que là, j'en ai 4. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Puis, Ferocious, you gain 4 life for each creature you control with 4 power ou plus. Fait que j'en ai 2. Fait que je gagne 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben écoute, moi aussi je vais avoir des Lightning Greaves. Je vais les jouer. Puis bon, je vais les mettre sur mon Commander. Donc, toi, mon cher MTGQ. J'ai une 2-2 puis une 1. Ok. Fait que, on va attaquer avec le Commander, puis les deux Rhinos. Puis vu que je vais trigger son effet, fait que tu vas avoir 3 Rhinos Trample. Mon Commander, il est combien déjà? Il est 2-5. 2-5.
Oh, ça fait 14, ça, hein? Ouais, ça fait 14. Ben, t'en as 3 à 4 cartes, puis 1, 2, 5. 11, 12, 13, 14. Bon. Ça va être la fin de mon tour après ça. J'espère. Untap. Upkeep. On va mettre un petit là-dessus. Hop. Wow. Token, c'est ça. On va. 1. Plus 2, on va jouer Yorn, God of Winter. Ah, puis attends, j'ai oublié de faire mes tokens. Moi, là, j'ai des tokens. Les tokens Unicorn, vu que j'ai des tokens qui sont arrivés, que je sens faire un. Un token Unicorn. Ouais, fait que ça va être ça mon token Unicorn. C'est comme des Pegasus. Yorn, on va y déplacer les Greaves. Ils ont-tu flying? Non, ils n'ont pas flying. C'est juste des Unicorn. J'ai 1-2-2 qui est prêt à bloquer. T'as 2-2-2. Ah, c'est vrai, 2. Hein. T'as 2-2-2. 2-2-2. On va taper 5. 1-2-3-4. 5. On va taper ta unicorn. Ah. Avec mon vérité circle. Ok, il y en a un de taper. Fait que je vais piger. Je vais mettre une land pour le tour. Je vais gagner 1. Je vais piger. Je vais. Ah, oh, c'est bon ça. J'aime assez ça, cette carte-là. Je vais taper pour 1. C'est pas vrai. Je vais taper ça pour détaper une land. Une snow covered land. Je vais taper pour 1, 2. 3, je vais mettre un Mirage Mirror. Pour 2 colorless, ça devient une copie d'un artefact, créature, enchantement ou land jusqu'à la fin du tour. Ok. Je vais déclarer une phase d'attaque. Marc-André, je vais t'attaquer avec Yorn. Pitatiova pour 6. Quand Yorn attaque, je détape toutes mes snows permanents. Et voilà. Mais écoute. Alors, ben là, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire avec le deck, je peux perdre, c'est correct. J'ai atteint mon objectif. On va essayer, en tout cas. 1, 2. Un, deux, trois, quatre. Hey, ça coûte cher, ça, Colin. Je vais jouer un Rim Feather Hole. Il y a Power and Toughness égale au nombre de Snow Permanent en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une 13-13. Je vais transférer les Greaves. Hein? Oh, c'est une 13-13. Ah, ok. Mm-hmm. Ouais, c'est une 13-13. Je vais transférer les Greaves. Puis, ben, je vais passer le tour, je pense. Je passe le tour tout de suite. Non, je ne passerai pas le tour tout de suite. Il me reste encore de mana. 1, 2, 3. Oh, il me reste assez de mana pour m'amuser. Je vais détaper un bleu, mettons. Je vais taper un bleu, un vert, plus 1, plus 1. Je vais jouer un abominable Tree Folk qui est étoile-étoile Trample. Étoile, c'est le nombre de snow que je contrôle. Fait que, okay. Puis j'ai un snow plus, on joue en 14-14. Ouais. Quand il arrive ce jeu, je tape target créature qu'un opponent contrôle, puis elle ne détape pas. Fait que ton Gyred ne détapera pas à ton non-tap. Ah, ok. Là, je vais passer le tour. Ok. Pas gentil, c'est tout sûr. Puis j'ai. Oh, une non-tap. Comment ça fait frites, là? Alors, je suis correct. Quoi? J'ai réussi à jouer un tour explosif comme j'aurais aimé qu'il marche. Je suis correct. En fait, on n'a pas moi, mon tour explosif était tantôt. Là, c'est la... C'était la game d'avant. T'as tout passé sur la game d'avant. Il reste plus rien. Ouais, c'est ça. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai passé le tour. Ah, ok, t'as passé ton tour? Ben oui, j'ai joué une forêt. Puis j'ai pas pu rien faire d'autre. Ok. Ouais, écoute.
Je vais te taper mes trucs, sauf mon commander. Hein? Il y a des journées même. On va piger. On va pouvoir mettre... J'ai encore une autre carte qui est restée là. Mettre une exotique Orchard. Oh, oh. Là, je peux faire du vert, du bleu, du vert, du noir. Pas de rouge, pas de blanc. Pas de rouge, pas de blanc. Regarde. Ensuite. Combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. J'ai 7 mana. Je vais taper ça. Ça va me donner 2 mana. Un blanc, un vert. Ça fait 2. 1, 3. 4, 5, 6. Puis je vais jouer mon petit Wyrmcurl Engine. Mm-hmm. Qui va me donner un autre Unicorn. Fait que je suis à 3 Unicorns. Il me reste 2 mana. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque? Est-ce que j'attaque pas? Parce que quand même, l'autre bord, il y a 2 14-14. Ouais. Mm-hmm. Puis d'un bord, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas rien, mais. C'est fini, là. Si je l'attaque, je vais me faire démolir de mon bord. Fait que. Moi, il y a juste besoin de m'attaquer avec 2 créatures, puis je meurs. Fait que moi, je vais dire fin de tour, puis. Fin de tour? Ouais, fin de tour. On tap. Ok, on va monter ça à 2. Drop. Land pour le tour, on va gagner un avec Tatiova, on va piger. Ah. Enlève donc mes souffrances. Ben là, attends un peu, si j'enlève tes... Il y a des worm calls qui viennent de popper l'autre bord. Hein. T'es capable de dealer avec ça. Ça peut être plus tannant un peu. Bon, comment qu'on fait ça? T'as combien de Pegasus? J'en ai 3 live. T'as 3 Pegasus? Ben, c'est des unicorns qui fly. Ouais. Ah, ils fly pas? Non. Ah, ils fly pas, non, ils fly pas. Oh, ils fly pas! C'est des white unicorn creature tokens, c'est des basic unicorns. C'est juste, ça se multiplie pareil comme des Pegasus. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et pour boy. T'es capable de one-shotter? 18, 19, 19 fois 2. 38? Je pense que oui. Et pour boy. Parce que je peux faire. Je peux en faire pas mal. 1, 2, 3. 4, 5, je transforme 5 permanents en snow de plus. Ça devient tout des snow permanents finalement. J'active le Mirage Mirage, je copie le Rim Fader. Ok. En réponse à ça, je vais payer. Je fais de la théorie. Ah. Ok, je fais de la théorie. Là, tu viens de dire que t'as quelque chose. Je suis en train de théoriser avant l'autre. Ok, t'es en train de théoriser. Là. Ok, continue ta théorie. Ça change la théorie, ça. Je peux faire ça ou je peux faire juste ça. Je peux faire ça. 1, 3, 4. Je vais payer 1, 1, 2, 3, 4 pour taper ton Worm Coil avec mon Verity Circle. Ok. En réponse, je vais payer 2. Puis je vais destroy ton enchantement. Puis. Non, Vérité Circle, ça? Ouais. Ok. Puis je vais pouvoir populate après. Je vais populate un rhinocéros. Je vais payer 2, je vais activer Mirage Mirage qui va devenir un Rim Feather Hole.
OK. 1, 2, 3, 4. Ton Rim Federal, il vole, hein? Ouais. Ouais, il vole. Ouais. Je vais payer 2. Je vais ajouter un Ice Counter sur mon Mirage Mirror qui va devenir une. Ah non, c'est déjà une Snow jusqu'à la fin du tour. Mm-hmm. Mais Tatiova va devenir une Snow. Bon, je rachète des petits dés de neige, je pense. Tatiova va devenir une Snow. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Snow permanents. Fait que c'est des 17, 17. OK. Fait que je vais t'attaquer de 34 flying. OK. Juste ça? ouais. OK. Ben écoute, j'ai rien qui vole, fait que je peux pas rien bloquer. Fait que 34 élites. Puis je vais repasser le tour. On va piéger. Oh. Hey, t'as 8 points de vie. On va jouer un Voice of Many. Ah. Quand ce qui rentre sur le battlefield, je pige une carte pour chaque opponent qui contrôle moins de créatures que moi. Présentement, ce n'est pas le cas. Présentement, tout le monde contrôle plus de créatures que moi. Ah, parce que moi, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 créatures, moi. Puis, je vais faire passer le tour. OK. Je vais te piger, je vais te détaper. Ça. Tic-tac. Oh, ça a gelé. Ouais. Moi, ça marche-tu, là? Oh, oui, toi, ça marche encore. C'est lui qui a frisé. Qui a frisé. On va attendre qu'il revienne. C'est noir. Oh. Il a peut-être rafraîchi. Ouais, c'est ça, il doit rafraîchir le spell table. Attends, ouais, on va peut-être revenir. Ouais, ben Colin, je suis content que comment il a sorti ce tour 7. Ouais, moi j'étais content l'autre tour quand il avait sorti. Ouais, ben là, je vais regarder, je vais probablement faire. Je sais pas comment je vais faire. Là. J'ai filmé deux games, je vais voir ce que ça a de l'air, je vais voir ce que ça a donné, puis je vais essayer de faire un petit montage peut-être. Montrer ta victoire écrasante. La domination des elfes la game d'après, puis après ça. Hey, rebonjour! Bienvenue! Ouais, il y a un petit bug avec le. Spell Table. Ouais. Ça va. Il m'a exilé, en fait. Il m'a exilé. bon. Fait que là, c'est ça, je disais, mon Guiret, il aurait même pas dû être tapé, vu qu'il y avait Shroud avec les. Avec les Lightning Greaves. Mais c'est pas grave, écoute. Des erreurs de parcours, ça arrive. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pigé pour le tour, ouais, j'ai pigé pour ma montagne. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4 mana, je vais jouer 8 Mirage. Choose up to 2 target creature you don't control. For each of those creatures, create a token that's a copy of that creature. Those tokens can haste. Exile them at the beginning of the next end step. Fait que je me demande bien qui c'est que je vais copier. Ah, mais c'est vrai, s'il est copié, c'est juste avec des snoops permanents, lui il n'a pas. Ah, c'est vrai ça. Fait que même s'il est copié, il n'y aura pas. Le triple, c'est vrai, le all, c'est all snow permanent. Je vais aller voir si ça a été mis à jour, parce que dans Cold Snap, c'était pas de même. Là. Le triple, non, c'est ça. Le Trifold, c'est You Control. Je vais aller voir le Rim Feather Hold s'ils l'ont updaté. In play, ouais, c'est ça. Fait que ça, le hold, ça marcherait. Parce ouais. Que... Puis, ça, c'est.
Permanent ni contrôle. Fait quoi, ouais, c'est ça. L'abominable, ça marcherait pas, mais le hold, ça marcherait. Puis. Ouais, je vais aller voir s'il y a un Elata. Non, number of snow permanent de Battlefield. Fait que ouais, le hold, tu peux le copier. Ok, fait que je copierais le hold, puis. Tiens, je vais copier ton commander. Tiens. Fait que on va aller. Je vais faire deux petites cartes blanches qui vont être. Ça. Ensuite, il me reste la mana. Fait que. Touc, on peut placer ça. Tac comme ça, tac comme ça. Fait que là, j'ai une 14-14 qui vole, puis une 3-3. Non, c'est rendu une 15-15, c'est rendu une 16-16 parce que t'as fait deux snow de plus. Ah, c'est vrai. Ensuite, je vais jouer. Ah, puis attends, j'ai deux unicorns de plus. Vu qu'il y a deux créatures de plus qui sont arrivées sur le terrain. Ensuite, je vais jouer pour. Deux verts puis un blanc. Je vais jouer mon Garruk Heartbringer qui explose from black. Mm-hmm. Puis à chaque fois qu'il deal des combat damage, je regarde le top de ma librairie pour le même nombre de damage. Puis je prends soit un Garruk Planeswalker ou une creature card puis je la mets dans ma main. Bon, là c'est le moment d'attaquer. Fait que je vais attaquer avec. Peut-être pas attaquer avec Guillaume. Je vais attaquer avec ma 16-16 Flying. Mon Worm Coil. Mes 4-4 Trample. Mes Pégase, je vais les garder. Puis je vais attaquer avec la 3-3 aussi. Fait que ça fait. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 damage. T'as-tu marqué André? Non. Hein? T'as-tu remarqué André? Ah non, non, ben tout sur toi. Hein. Oh! Ok, bon. Le 16, je peux pas le bloquer, je vais le prendre tout de suite. Ok. Fait que je vais descendre à 13 parce que j'ai eu plus de flyer. Ah, puis ça me fait un autre. Ça me fait un autre token. À cause du Garruk. J'ai 6. Ok, fait que t'as une 6-6. Lifelink Dead Touch. Ouais. 4-4 Trample. Puis une 3-3. Celle-là, on peut tout de suite l'enlever parce qu'elle va être exilée à la prochaine end step. Puis la prochaine end step, c'est la mienne. Ouais, bon. Ok, fait que je vais bloquer le Worm Coil avec l'abominable Trifolk. Ok. Fait que les deux vont mourir. Les deux vont mourir, mais je me prends 6 points. Tu vas te faire 2 tokens. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça tombe bien, j'ai les tokens qui vont avec. Ouais, parce que si t'as pas les tokens, tu peux pas jouer de la carte. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai les deux beaux petits tokens thématiques. Je vais bloquer une 4-4 avec Tatiova et le Boreal Druide. Ça va la tuer. Ok. Les deux miennes vont mourir aussi. T'avais-tu bloqué la 3-3? Non. Ok. Je vais bloquer une autre 4-4 avec le Mon Commander puis le Sculptor of Winter. Ok. Je vais bloquer tes deux 4-4. Fait que mes deux vont mourir. Ok. Je vais perdre 3, je vais perdre 6. On se sait ça? Ok, ouais. C'est bon. Ok. Puis, il y avait combien de Mérino qui restaient en vie, là? Toutes? Ok. Non, je n'ai tué un. Je n'ai double bloqué un pour le tuer. Ok. Puis, la 3-3, tu l'avais pas bloqué? Non. Tu l'avais-tu compté? Oui, je perdais 3 de Terino, puis t'as 3-3. Ok. C'est ça? Ouais, non. C'est des 4-4, par exemple. Ouais, il manque un Rino. Ouais, je n'ai un, bloqué un pour 2, bloqué l'autre pour 3.
OK. Puis t'avais qui fait que je mange un autre 4, je suis à 3. Ouais, c'est ça. Compliqué ces maths-là. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais, puis mes dents vont venir se taper. Fin de tour. Fin de tour. Ouais. On tape. OK. On va attendre un token là-dessus. On va drawer. L'âne pour le tour. Bon, t'es rendu combien, là, espèce de petit... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouf, je peux survivre. Ben non, j'ai encore mon mirage mirror. Ah non. Ouais. Ça fait 24. 1. Ouais. Ça va être à toi de le tuer après, là. 3, 4. Yorn, je vais y mettre les Greaves. Je vais activer Mirage Mirror pour copier le Rim Feather. Ok. Je vais envoyer Yorn à Marc-André, puis les deux autres sur toi. Ok, ben j'ai rien qui vole, fait que. Je vais untaper tous mes snows permanents. Si je t'aurais attaqué avec mes Pégases, tu serais mort aussi. Ouais, 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 fallait que tu m'attaques avec mes Pégases. C'est comment ton Yorn? Je te fais 3. Attends, je vais te bloquer de 3. Ok. Oh! Oh! Je vais te bloquer une 3-3. C'est correct. Ben écoute, je meurs dans notre souffrance. Notre Tu sais, je vais me lancer des boules de neige. C'est ça! Je vais juste me garracher des boules de neige jusqu'à temps que je meurs. Je joue un Dragon Necromancer. J'ai déjà assez pour sortir Yorn. 1, 2, 3. Non, j'ai pas assez. 1, 2, 3, oui, j'ai assez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Écoute. Pastor. On va me taper. Est-ce que j'ai la carte miracle? Non! Écoute, 3, je vais faire. J'ai un petit Space Twins dans ma main. Ça a été pratique. Oui, mais Imperious Perfect. Une 2-2. Les autres elfes que je contrôle ont plus 1, plus 1. Puis je passe le tour, puis je crois que je suis... Allez, j'avais gardé ça, j'avais ça dans ma main de départ, je dis les elfes, ils vont manger une sincère volée. C'est jamais arrivé. Non, là. Ben écoute, si j'aurais attaqué avec tout, si j'aurais pas joué la safety, là, j'aurais peut-être gagné. Probablement, oui. La gaffe que j'ai faite, c'est qu'il fallait que j'attaque avec Marc-André avec Yorn pour tout détaper. Ah, c'est ça. Puis j'ai comme fait, ouais. Oh, j'ai oublié, qu'est-ce que je fais? Ah, ben écoute, ce fut une partie palpitante. Sauf, so, ben regardez, il y a peut-être pas pour tout le monde. La noire qui s'en venait. Ils sont tous ensemble. Mais j'ai vu que ça fonctionnait comme deck quand même. Ah, oui, ça fonctionne très bien. Je suis content. Je vais essayer de faire un petit mix-up des deux games comme montage, publier ça pour montrer au monde. Ouais, oui. Bon, une petite dernière pour la route. Moi, ça me dérange pas. Mais moi, je vais prendre mon autre deck. Ah, ben écoute, si tu changes de deck, je veux changer de deck. Il est pas saltless, mais il est pas vite. Comme vraiment pas vite.